hiver arrive, vous êtes pas mal à me poser la question quel item acheter cet hiver, vers quelle marque plus se tourner que d'autres et pourquoi éviter certaines marques qui sont maintenant complètement bouchées. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai les différentes étapes que moi j'utilise pour savoir quels produits vendre, à quelle période commencer à les poster et pourquoi vendre ces produits-là et pas d'autres. Donc on va commencer tout de suite par la première étape qui est étudier le marché. Donc cette étape-là, c'est très simple. Vous allez regarder ce qui a été vendu l'hiver dernier. C'est tout con, c'est une solution très simple. On va aller sur Vinted, on va aller checker notre rapport de l'hiver dernier. On va regarder les articles qu'on a le plus vendus, à quel prix on les a vendus, les articles où il y avait le plus de marge à se faire. Comme ça, déjà, on peut choisir des produits et on éliminait d'autres où on était moins gagnant que certains. Donc cette étape-là est déjà faisable si vous avez déjà vendu en hiver sur Vinted. Après, il y a d'autres manières. On va aller sur le compte de certains pros ou de gros vendeurs et on va regarder ce qu'ils commencent à poster dès maintenant. Parce que voilà, c'est la meilleure période en ce moment pour commencer à poster votre pièce d'hiver. Moi, par exemple, j'ai déjà posté tous les pulls que vous pouvez voir derrière en train de tous les poster. J'ai déjà posté toutes mes doudounes, etc. Je vous mettrai des petits exemples là de à quoi ça ressemble. Vous choisissez les produits. Pareil, on va garder des produits quand même assez basiques. Tout ce qui est Ralph Lauren, tout ce qui est Patagonia, TNF, c'est des produits qui marchent bien toutes les années. Parce que partir sur des niches un peu, on va dire, sous-cotées où vous pouvez faire un gros bénéfice, ça peut être très risqué au début. Donc voilà, partez sur des grosses marques qui sont assez vendues sur Vinted où il y a beaucoup de demandes chaque année. Dans ces dîmes du montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de plein de trucs. On va aller check les gros profils de vendeurs. Je vous afficherai là quelques profils. On va regarder ça ensemble, on va les analyser. Donc là, on est sur le profil de FreeBrain, je vous affichais juste là. Donc c'est Erwan, vous pouvez retrouver tous ses réseaux, je vous les mettrai là et en description. Donc c'est un gars qui fait du resell aussi. On peut voir qu'il a énormément de sportswear dans tout ce qui est pull, ce qui part très très bien. Après, il a beaucoup de bonnes pièces qui est vintage. Tous les pulls Nike, etc., les basiques, ça part beaucoup moins bien maintenant. Donc je vous conseillerais quand même de faire des sélections. Je sais que lui, par exemple, il achète beaucoup de mix de marques. Il se retrouve toujours avec des très bons ballots et des très bonnes pièces. Donc en vrai, pourquoi pas essayer ça. On peut remarquer aussi qu'il a pas mal de pulls style laine. Donc je vais vous montrer juste là, j'en ai plein d'exemples juste devant moi. Donc voilà, ça va être des styles un peu, hop, un peu papy à l'ancienne. Donc voilà, années 90, années 80, ça portait beaucoup de trucs comme ça. Donc ça va être dans ce style là, il y a de la marque ou de la sans marque. Moi je sais que même les trucs où c'est pas de la marque, j'arrive à les vendre une vingtaine d'euros. Et c'est des pièces que vous allez toucher très peu cher. Donc lui son secteur c'est plus tout ce qui est pull vintage, tout ce qui est premium on va dire. Donc vous pouvez baser sur du sans marque, ça vous coûtera moins cher et les marges seront tout aussi grosses. Mais on va dire que ça va être en corrélation avec votre prix d'achat. Vous allez payer 2 euros, vous allez peut-être revendre une vingtaine. Ou lui va peut-être payer une cinquantaine, va revendre 150. Donc en soi, c'est un peu en fonction de votre prix d'achat et en fonction de la pièce. Mais vous allez moins galérer à vendre des petites pièces à 20 euros que des grosses pièces à 150. Là, on va se retrouver sur le profil de Gauthier. Gauthier, c'est un mec qui fait ça depuis très longtemps. C'est un des premiers mecs que j'ai vu sur Vinted. Lui, du coup, vous allez voir juste là, il vend beaucoup de workwear et tout ce qui est pull Russell. Tout ce qui est workwear sans marque, c'est des produits qui sont très bien et très nichés. Les prix d'achat, souvent, ils sont quand même assez faibles. Et on va dire que les prix sont plus abordables à la vente. Donc sur des vestes workwear, vous allez peut-être tomber à 40 euros. Contre une veste card que vous allez peut-être vendre 120. Mais vous aurez plus de chances de vendre votre veste à 40-45 qu'une veste à 120 qui va vous coûter aussi 45 euros. Donc vous pouvez retrouver des pièces workwear sans marque vraiment pas chères. Donc on parle de vestes qui peuvent vous coûter entre 5 et 10 euros. Comparé à des vestes card qui vont plus vous coûter une quarantaine d'euros. Donc ce qui est très cher si vous voulez commencer. Où je vous conseillerais cette niche, elle est aussi très très bien. Ça marche aussi pour les pantalons workwear. Tout ce qui est workwear sans marque, ça marche hyper bien. C'est hyper sous-coté, il n'y a pas grand monde. Pull Russell, ça marche aussi super bien, c'est de la bonne cam. Donc la deuxième étape, c'est qu'il faut se fournir. Alors il y a plusieurs manières de se fournir pour vendre sur Vinted. Donc vous avez soit le Bob Vinted, que je conseille quand vous n'avez pas trop de trésorerie. Donc on parle de 200-300 euros. Vous pouvez très bien prendre un Bob Vinted, il y en a des gratuits. Je vous mettrai le Discord de Bardo en description si vous n'êtes pas déjà dedans. Ensuite, vous avez tout ce qui est fournisseur. Donc on va en avoir une bonne ribambelle. Vous avez Flic, vous pouvez retrouver tout type d'articles et tout type de prix. C'est une des plateformes que je conseille le plus et avec qui je travaille depuis longtemps. Donc vous avez tout le temps des codes de promo et tout le temps des codes de réduction, je vous mettrai juste là. Après vous avez Vintage OC Supply, mais voilà, les délais de livraison, on sait jamais ce que ça va donner. Conseille pas forcément, surtout si vous voulez avoir pour cet hiver, c'est pas le move à faire. Généralement en Flic, ça prend à peu près un mois de livraison, donc c'est parfait pour cet hiver, faudrait commander dès maintenant. Et après vous avez essayé de Vintage, voilà, c'est pareil. Pour l'instant, de toute façon, il n'y a rien sur le site. Le 13, ils font un restock. Des fois, il y a des produits qui valent le dos. Faites un tour. Mais moi, je vous conseillerais pas les deux derniers fournisseurs. Je vous conseille vraiment Flic, c'est là où vous pouvez retrouver les meilleures gammes produits au meilleur prix.
Ensuite, il va falloir faire son choix produit. Donc moi, par rapport à mon année dernière, je vous mettrai là quelques screens. C'est que j'ai vendu à balle des chars Burberry que je touchais à peu près 10-15 euros et je revendais 70. Donc on a à peu près vendu l'année dernière une quarantaine des chars Burberry ou une cinquantaine. Faites le calcul, ça fait déjà une grosse somme et un gros bénéfice. Bon, après à ça, il faut enlever les impôts, les frais d'envoi, etc. Mais ça reste quand même une grosse somme. Un autre produit que j'ai bien vendu cet hiver, ça va être tout ce qui est vest workwear sans marque. Donc ces robes vestes, là, vous allez toucher à peut-être 4-5 euros et vous allez réussir à les revendre une trentaine d'euros. Donc c'est plutôt pas mal et c'est un peu sous-coté, il n'y a pas grand monde qui en vend et vous pouvez vous fournir facilement un peu de partout. Pour ce qui est du mode vinted, donc voilà, vous pouvez vous mettre sur tout ce qui est niche Ralph Lauren, Patagonia, etc. Le meilleur moment pour acheter, c'était plus cet été que maintenant, parce que là, les gens, ils commencent à en chercher. Et cet été, bah, les gens bradaient leur prix comme tous les étés. Le meilleur moment pour un bot, c'est acheter de l'été pour l'hiver. C'est ce qui est plus rentable, ou d'acheter cet hiver pour des shorts d'été, par exemple des Ralph Lauren. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer comment ça marche et comment choisir des produits. C'est plutôt simple, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, vous vous retrouvez quand même avec un grand panel de produits, vous avez quand même du choix. Après, il y a toujours des niches qu'il faut découvrir ou qu'il faut tester. Par exemple, vous commandez une trentaine de produits sur un article que vous voyez qu'il n'y a pas grand monde sur Vinted et vous essayez de le vendre, et si ça part, tant mieux, si ça part pas, tant pis. Moi, c'est ce que j'ai fait avec tout ce qui est pull en laine, etc. J'ai vu que ça marchait, mais qu'il n'y avait pas grand monde qui en faisait, donc je les achète direct. Pour vous donner un indicateur, je les touche peut-être à 2 euros et je les revends dans les 20, 20, 18, 15 euros. Ça reste une grosse marge et il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui en vendent. Et puis maintenant, c'est le meilleur moment de poster, comme je vous ai déjà dit. J'ai posté toutes mes chars Burberry qui sont juste là-haut. Donc voilà, j'en ai posté à peu près une 20-25. C'est ce que je vais vous conseiller. Si vous avez des affaires diverses, postez dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je regarderai. Vous pouvez toujours rejoindre le Discord si vous avez envie qu'on vous balance des ballots, etc. qui peuvent vous intéresser. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à follow la chaîne et me poser vos questions en commentaire. C'est ciao.